Je tourne en rond, sans savoir où aller. Incapable de dormir ou de respirer. Défini par le regard des autres, je m'efface et trépasse. Sous trébuche ou trop plein, je sens que je m'efface. Un monde fait de miroirs, comment s'orienter si on ne fait qu'évoluer dans le noir? J'imagine que c'est ça qu'ils appellent être mature. Mais quand même, y'a pas à mentir, c'est dur. Ils sont loin maintenant ces rêves d'enfant. Partir à l'aventure, rien qu'en chahutant. Ce qui est effrayant, c'est que ça se fait naturellement. A plus papa, à plus maman, adieu l'enfant. Malgré tout, la traversée se fait. Pas besoin de pleurs, de rage ou de regrets. C'est comme ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Un peu faible cet argument, mais c'est la vie. Autant en faire le plus possible et profiter, même si ces périodes ne font que s'enchaîner. Plus de demain, plus d'hier, même pas d'aujourd'hui. Juste un fil, une barrière, c'est ça ma vie. Si on peut rien y faire, pourquoi s'en occuper? C'est vrai, j'ai d'autres choses à foutre que de m'inquiéter. Pour donner du sens à ses actions, un enfant, il doit d'abord sortir de son cocon. Le 100% c'est tentant, tout le monde en parle, mais j'ai jamais vu personne triomphant. C'est ça la solution, faire ce qu'ils n'ont jamais osé. Au final, c'est pas si mal d'évoluer. Maintenant je marche, j'explore. Ma vie c'est clair, c'est de l'or. Un jour je m'envolerai, rejoindre les papillons qui ont déjà migré.